Ok, c'est parti, ma salope. Alors. D'accord. Y a pas de jus, Jade. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh putain! Ok, elle est tombée dans le vide cette connasse. Ça se fait tout automatiquement. Où est-ce que je vais, moi? Où est-ce que je vais? Ah non, putain, je suis déjà allé ici. C'est pas bon. Je suis arrivé par là. Ce qui apparaît ici. Monte charge droit devant, Jade. Je sais pas où je vais. Je l'ai déjà dit. Je leur dirai. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, il y a des petits effets sur les sur le sol là. Ça m'étonnerait qu'il y avait ces effets-là à l'époque. Jade, regarde les traces. Il est dans le coin. Il a faim. Tu sais, ces trucs-là, ça bouffe que du cochon. Ah putain, j'aurais tellement aimé voir la séquence où Page il est complètement bourré. J'aurais tellement aimé voir ça, quoi. Le mec en mode bourré, quoi. N'empêche, sérieux. Sérieux, ce porc là, il fait penser à qui? Franchement, il fait penser à qui ce porc? Franchement, il fait penser à qui ce porc? On a un mec, c'est un porc, hein? Et ça fait penser à qui? Franchement, ce porc, il fait penser à qui? Bah, c'est le personnage principal et tout, il est jeune, mais quand même, bah voilà quoi, c'est pas très flatteur. Hein. Regardez, ce genre de personne, ça vous fait pas penser à un porc? Quand même, c'est pas très très flatteur quand même. Donc bon, hein, à un moment donné, on va peut-être arrêter le cinéma, quoi. Hein, Ubisoft, on va peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde pendant 2 secondes, quoi. Arrêter de dire de la merde. On peut pas franchement dire que Page. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je. Ah oui, d'accord, faut que je pousse ces trucs-là. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je dois pousser ça? Faut savoir rigoler dans la vie, hein? Arrêtez, je sais pas quel est le fils de pute qui a marqué ça. Quel est l'enculé de sa race qui a marqué ce genre de conneries, mais il va falloir vraiment qu'il se calme, hein. Il va vraiment falloir qu'il se mette un balai dans. Qu'il sort le balai qu'il a dans le cul. Ce petit p. Ce petit PD. Ce petit PD d'enculé là, parce que c'est fatigant des conneries comme ça, c'est lourd quoi. Il y en a marre au bout d'un moment. C'est fatigant. Hey, mais c'est qu'il y en a dans le ciboulot. Ah, j'adore, putain. Putain, si tous les jeux pouvaient faire ça, des petites réflexions comme ça, des petits dialogues entre les personnages, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, franchement. Moi, je kiffe. J'avais oublié que... En fait, j'avais tout oublié du jeu, franchement. Enfin, je kiffe, je dis ça, mais le jeu, comme je l'ai déjà dit, m'a pas marqué. À l'époque, quand j'y ai joué, qu'est-ce que j'en avais à branler. Je dis pas que le jeu était nul, hein, mais encore une fois, j'en ai pas des souvenirs. J'ai des souvenirs de Jak and Dexter, j'ai des souvenirs de Ratchet and Clank, j'ai des souvenirs de Sly. Vraiment, je dirais, ah, Sly, il s'est passé ça, ça, ça. Mais alors, ce jeu-là, je l'ai fait une fois. J'ai des souvenirs de Kaya. Mais celui-là, je l'ai fait une fois, et ensuite, je ne me souviens plus de rien. Ça m'est complètement sorti de l'esprit. Ce jeu m'est complètement sorti de l'esprit. Et pourtant, je le trouve pas nul, hein. Je le trouve vraiment pas nul. C'est juste que... Je sais pas. Je pourrais pas expliquer. Ça m'a pas plus marqué que ça. Je me suis pas dit, waouh, ouais, putain, mes jeux, c'était... Un truc de dingue, quoi. Non, je m'en souviens pas. Autant je veux dire Jak and Dexter, mais je me suis éclaté. Même des jeux comme ça commence ça commence à vieillir. Hein. Uncharted. J'ai l'impression que c'était hier Uncharted, mais Uncharted c'est vieux le premier Uncharted. C'est vieux et même le quatrième il commence à avoir de la bouteille le quatrième. Hein. Ça fait un moment qu'il est sorti. Hein. Bon c'est pas mon préféré le quatrième. C'est un magnifique jeu, mais mon préféré c'est le 1 quoi. Le 1 j'ai adoré le 1. Enfin j'ai adoré. Calmons-nous. Hein. Je l'ai trouvé kitsch dès le début. Le 1, je me suis Uncharted, le tout premier, je l'ai trouvé kitsch, j'ai fait ça un sous Indiana Jones. Mais c'est mon préféré. Mais je me suis dit, dès le début, putain, on dirait un sous Indiana Jones, mais comme c'était un jeu vidéo, je me suis dit, pour un jeu vidéo, c'est cool. Pour un film, c'est pathétique. Pour un jeu vidéo, c'est impressionnant. Par contre, évidemment, au fur et à mesure, ils ont augmenté le niveau. Et le 4, il est plus impressionnant, mais c'est pas mon préféré. Au niveau gameplay, je parle. C'est pas mon préféré. Et même au niveau tout, c'est pas mon préféré. Mais c'est vrai que le premier Uncharted, j'ai trouvé cool, parce que ça faisait penser à un film Indiana Jones, mais au rabais. Vraiment, ça faisait penser à un sous Indiana Jones. Mais comme c'est un jeu vidéo, j'étais en mode, ouais, c'est impressionnant quand même. Voilà. Mais c'est vraiment, ça aurait été un film, ça aurait été ridicule. Ça aurait été la pire merde de tous les temps. Ça aurait été le film le plus pourri de tous les temps, quoi. Mais comme c'était un jeu vidéo, j'ai fait, ah, pour un jeu vidéo, c'est impressionnant quand même. Mais, dans ma tête, c'était un sous Indiana Jones. Hein. C'est à côté d'Indiana Jones, enfin surtout, enfin un seul Indiana Jones, le Temple Maudit, qui est pour moi une bombe atomique. Il fait pitié, Uncharted, il fait pitié. Enfin, je dis ça, ouais. Un peu pitié Uncharted, hein. Parce que je me rends compte que le seul Indiana Jones que j'ai kiffé, c'est le 2. Les autres, je les trouve pourris, quoi. Et non, il y en a qui sont, enfin il y en a un, la dernière croisade, il est, ça va, ça passe. Mais pour moi, le reste, c'est de la merde. Le premier, c'est de la merde. Le 4, c'est de la merde. Et le 5, c'est de la merde. Enfin, le 5, Harrison Ford, il est trop vieux pour ses conneries. Faut arrêter au bout d'un moment. Il est beaucoup trop vieux pour ses conneries, quoi. Faut arrêter. À la limite, faire un Harrison Ford en CGI, pour un film, à la limite, pourquoi pas, mais... Mais faut arrêter, là. Le mec est trop vieux pour ses conneries. Au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Enfin, c'est ridicule, quoi. Ça, c'est la chambre froide, pour leur salle nutrile reconstituée. Beaucoup trop vieux pour ces conneries. C'est ridicule. Enfin bref. Trop marrant. C'est trop caricatural pour... Regarde le perso... Regarde la vache. Oh putain. Ah ouais. C'est très cartoon et pourtant... Il y a un espèce de champignon sur la vache. C'est très cartoon et pourtant la vache elle est complètement ouverte en deux. J'avais complètement oublié ça. C'est trop marrant. Non. Non, j'ai dit. Je sais même plus où je me suis arrêté. Bah allez. Ça m'étonnerait. On peut photographier la vache? Même si elle est cadavrée. Ah d'accord. Ok. Parfait.
Je date et j'archive. Oh la vache, c'est mort, la vache, elle est canne et on peut plus rien faire avec elle. On en a plus rien à foutre de sa gueule. C'est une vache en mode cartoon, mais elle est complètement crevée. Ça, c'est déjà fait, ça. Ouais, c'est déjà fait. La mouche aussi, c'est déjà fait. Je me trompe de bouton, même si je suis sûr d'avoir déjà photographié. Ah, j'aurais dû garder le style cartoon de BGE. C'est frustrant de pas le avoir conservé, juste de le rendre le jeu plus beau, mais pas forcément plus réaliste, juste plus beau quoi. Voilà, mais pas forcément plus réaliste. Là, il a rendu un peu plus réaliste, c'est dommage. C'est frustrant. Ok. Bon bah c'est tout. Ah, c'est quoi ça? Juste des morceaux de cornes. Ok, nickel. Et là? Des morceaux de vache. Des morceaux de vache, excellent. Bien joué, bien joué. Bon. On n'a plus rien à foutre ici. On verra, ça m'étonne. Là, vraiment, je me suis un peu motivé, mais en vérité, je sais pas si je vais réussir à terminer le jeu. Non. Je sais pas si je vais avoir la force. Hein. On voit. Ils ont fait des petits effets de lumière, tout ça. Ça m'étonnerait encore une fois qu'il y avait tout ça dans la première fois, quoi. Ça c'est pour par rapport au remaster. Non, faut juste un peu péter un coup, faut arrêter le délire quoi, faut arrêter de. Il en sort de partout. Faut arrêter de. Ils sont bizarres les musiques. Pas fichu lourd sur ce coup-là. Heureusement que j'étais là pour déblayer le terrain. Oh, merci, monsieur le déblayeur. Oh là là. Oh, le doublage, il est vraiment pourri. Hein. Quoi, mais c'est elle qui a tous été buté. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Toi, t'as rien branlé. Hein. Bah, vas-y. Bon, d'accord. Attends. Où tu vas, Jade? Je vais jeter un œil par là-bas. Bon, d'accord. Bon, ben, je suis coincé ici, moi. Sois prudente! Te fais pas de billes! Te fais pas de billes! Te fais pas de billes! Oh, 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 oh. Attends. Je vois plus rien.
Ah, faut l'emmener vers le truc électrique, d'accord, j'ai. Ouais, effectivement, c'est en fait c'est lui qui nous ouvre le passage, quoi. En le poussant vers le truc électrique. Comment on fait pour esquiver, parce que pour sauter, ouais, d'accord, ok. Mais on peut pas viser l'ennemi. Bon, bref. Moi, j'aurais pas dit non qu'il change la. J'aurais pas dit non pour qu'il change la voix de l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle, de Jade. Pour qu'elle ait un nouveau doublage un peu mieux fait que ça, parce que là c'est une catastrophe. Hein. C'est la cata, c'est la catastrophe. Non. Ah, attends, ouais. J'ai besoin de plus de preuves, Shawnee. Boucle d'abord le reportage et je t'enverrai le code. D'accord. Voilà, on a une bonne preuve, regarde-moi ça. Bien reçu, Shawnee. J'envoie déjà cette photo au gouverneur. Elle t'enverra le code de l'armoire. D'accord, voilà. Elle a mal au dos? Attends, 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 attends. Ça devrait marcher. Soyez prudent. T9. Ok, bien reçu. On vient de vous envoyer un email. Il ne devrait pas tarder. Bonne chance! Ça va aller? Et
Ils m'ont broyé le cerveau. Vous êtes le gars du réseau? C'est vous, double H? Connais pas. Le réseau Iris. Ça vous dit quelque chose? Écoutez, mademoiselle Osiris. Jeanne. Je m'appelle Jade. Et je ne sais pas du tout comment on va pouvoir sortir d'ici. De ce côté-là, je pense pouvoir vous être utile. Alors c'est bien vous, double H? Double H, triple Z, c'est vous qui voyez, je peux pas vous dire. Moi, je vois plus qu'une seule chose. 10 minutes de plus et j'y passais pour de bon. On peut dire que je vous dois la vie. Désormais, vous pouvez compter sur moi, mademoiselle Osiris. Jade. Je m'appelle Jade. À votre service, mademoiselle Jade Osiris. Non mais Jade, elle a dit Jade, espèce d'enculé, donc tu l'appelles Jade, arrête tes conneries. Ah, ils ont choisi mauvais casting, hein. Machin de cône là, très mauvais casting. Hein. D'ailleurs, c'est bizarre, je ne savais pas qu'elle avait une voix aussi comme ça. Je sais pas, dans mes souvenirs, elle avait une voix un peu de... Ou alors peut-être qu'elle a modifié sa voix, enfin peut-être qu'elle a fait en sorte de parler de le plus calmement possible. Enfin, parce que dans mes souvenirs, la meuf, elle parlait un peu... Elle parlait pas comme ça, quoi, on va dire. Mais c'est une très mauvaise actrice. En tout cas, actrice de doublage. Hein. Allez, défonce-moi ça. Carlton et Peter ! Je comprends pas. Les changements de caméra, mon gars, c'est chaud. Ok. Oh, 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 oh. Va pas tomber dans le vide comme l'autre abruti. Mamzelle Osiris, ne vous faites pas de soucis, tout va bien pour moi. Je vais me débrouiller pour trouver une issue. Faut qu'il arrête avec ses Osiris. Après, bon, peut-être que c'est parce qu'on lui a vrillé le cerveau, je sais pas. On va sauvegarder. N'y allez pas, hein. Ah non, non, j'y vais pas. Bon. Ouais. Tiens bon, Jade. Bouillabaisse. Jade, viens m'aider. Wow, 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 wow. Ah, je peux bouger même pendant les ralentis. Ah, je vais crever, moi. C'est tout? Ah. Non, non, non. Arrête de taper! Pourquoi il... Ah ouais, je suis con, moi. Attends, attends, attends. Ah bah oui. Ce monstre n'existe plus depuis des milliers d'années. Ok, ta pellicule est terminée. C'est bon,
Je te transfère une perle. Et je réinitialise ta pellicule. Attends. Attends. Je vois plus rien. Non, la caméra, c'est ton culé de ta mère. Non! Je vois rien. Je vois rien. Allez. Ok. Non, 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 non. On va faire quoi? Ok, d'accord. Putain, ça va durer combien de temps ces conneries là? Je vois rien, bordel! Oh sa mère la pute! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Il balance ses trucs! Putain, va te faire enculer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Putain, il balance ses saloperies. D'accord, ok. Il va faire que ça. Ça l'enculé de sa race, il va faire que ça. Je vois plus rien. Putain, les caméras, c'est... Ok, c'est bon, faut même pas chercher à comprendre. T'as fini, fils de pute? Je vois rien, elle est où? Non, 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 non! Allez, vite, vite, vite! Ah, mais c'est saoulant! Allez, là, non, c'est trois coups dans un Mario! Je vois rien! Je vois rien, je sais même plus où elle est, cette conne! Oh ça, j'ai foncé sur elle, les caméras, la caméra. Vite, 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 vite. Il est encore vivant ce coup. La caméra, sa mère. La caméra. Mais c'est un truc de ouf. Ouais, je lui fonce dessus, génial. Je vois plus rien. Ok. Bon, il y en a marre. Attends, mais qu'est-ce que... Je voyais plus rien. Bon, c'est pas grave, j'ai compris comment on le défonce. Mais la caméra, c'est n'importe quoi. Ça dure vachement longtemps, il a même pas de barre de vis, fils de pute.
Tiens bon, Jade! Bouillabaigne! Jade, viens m'aider! Qu'est-ce que je fous? Ce connard a même pas de barre de vie. Oh, qu'est-ce que tu fous? C'est quoi cette arnaque? Je vois même plus où est mon personnage, enfin où est Jade. Allez! Putain! Caméra, elle est mal plantée, je vois pas l'ennemi, quoi, c'est un truc de dingue. Tu me diras, j'ai pas besoin de voir l'ennemi, mais quand même. Voilà, la caméra. Allez, on va par là. Allez. Allez, va te faire enculer. Tout ce que je dois voir, c'est les boules, en fait. Les bouboules. Elle est où? Elle est où, putain? Je la vois pas! Comment on fait pour courir? Merde. Je vois rien. Ok. Je cherche le bouton. Il y a un bouton pour courir. Il y a bien un bouton pour courir. Merde. Il n'y a pas un bouton pour courir super vite. Ah, oh, sa mère la pute. La caméra, bordel! Alors, que je voie pas l'ennemi, je veux bien, mais que je voie plus Jade, ça c'est chaud, quoi. Pourquoi je vois plus Jade? Voilà, pourquoi la caméra fait ça, putain? Là, je vois plus Jade. Je vois même pas où elle est, cette connasse. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, puis il va te faire enculer. La caméra, elle fait n'importe quoi, putain. Ah, elle bascule, elle te fait des délires. N'importe quoi. Oh, qu'est-ce que tu fous? Ah, t'es là te faire enculer. Pourquoi tu vas là? Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle, ce con? Oui, qu'est-ce que tu fous? Tu vas venir, espèce d'enculé de tasse? Qu'est-ce que tu prends?
D'accord. D'accord, ok. Merde, j'ai oublié de le photographier. Oh non, j'ai oublié de le photographier, putain de ta mère. Est-ce que je peux photographier le cadavre? Merci, Jade. Sans toi, je crois bien que j'allais finir en hors d'œuvre avec une pomme dans le bec et du persil dans les oreilles. Tais-toi. Tu me donnes faim. Tu vas me faire regretter. Tu vas me faire regretter. Ah, c'est bon, on peut photographier son cadavre. Ce monstre n'existe plus depuis des milliers d'années. Et ben maintenant, il n'existe plus. Voilà, là, il n'existe plus maintenant. Il est mort. Ok, ta pellicule est terminée. C'est bon, je te transfère une perle. Et je réinitialise ta pellicule. Non, heureusement qu'on pouvait encore photographier son cadavre. Shoni, on a reçu un mail de Double H. Tu l'as retrouvé, c'est incroyable. Il a dit que tu ne t'inquiètes pas pour lui. Il va retrouver son chemin. Bon. Ok. Jade, faut qu'on trouve un moyen de récupérer cette perle, Mordio. Quoi? Comment ça? Quelle perle? Ah. Ouais. D'accord. Ouais, il précise pas, mais bon, je comprends même pas pourquoi il parle de ça en vérité. Je comprends pas c'est quoi le problème en fait. En tout cas, c'est par là qu'on doit grimper. Quoi? Où est-ce qu'on doit grimper? Qu'est-ce qu'il raconte là? On doit grimper où? C'est parti! Pourquoi j'ai fait ça, moi? Ouais, mais l'autre, il peut pas passer. Il va me suivre. Enfin, il va suivre Jade. Il peut passer, lui? Il peut pas passer, hein. C'est mort. Moi non plus, je peux pas passer. Ah ouais, c'est mort, il peut pas passer. Sauvegarde. Petit freeze. C'est pas grave, hein. C'est la vie. Pas de courant. Bon, on va encore repasser par ici, je sais pas quoi faire. Ça a déclenché tout un tas de délires, là, mais là, on est revenu au point de départ. Hein. Oui, non, mais ici, c'est là où il y avait... Ah, peut-être que... Ok. Ah oui, ici c'était le... Bah attends, mais c'est quoi ce bordel? Bah, j'ai déjà fait ça. C'est de la merde, ça sert à rien ce que je... Mais non, ça sert à rien, c'est de la connerie ça. Ça c'est là où ça m'a... C'est là où... Ça m'a emmené vers le mec là qui s'est jeté dans le vide. Non, c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Faut que j'aille chercher la perle, mais je sais pas. Peut-être qu'il y a un. Ah, attends. Maintenant que j'ai ça maintenant. Déjà, probablement, peut-être que je peux l'utiliser pour. Voilà. Et on dirait que. Voilà. Paige, j'ai trouvé du courant. Oh, je sais pas si ton installation est bien aux normes, mais on va être vite fixé. Paige, j'ai trouvé du courant. Ah ouais, elle a trouvé du courant. Pas de courant. Non, pas de courant. Elle a trouvé du courant, mais il n'y a pas de courant. Ah oui. Ouais, par exemple, ça aurait pu avoir un petit aspect Astérix et Obélix, par exemple. Hein? Sans que ça soit un live action. Alors, j'ai jamais compris pourquoi les gens ils étaient là en mode. Même si en vérité, Astérix et Obélix, c'est pas du bon live action. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas bien. Mais, allez, personnellement, je préfère largement, par exemple, je préfère One Piece en live action que Astérix et Obélix en live action. Il n'y a pas un film qui soit bien. Hein. Même le film que les gens ont préféré. Même lui, je le trouve nul à chier, hein, personnellement. Que ce soit Astérix, mes couilles sur la commode. Enfin, il y a eu beaucoup d'Astérix. Et là, ils vont faire un nouveau Astérix. Ils ont... Après, je dis ça, mais en vérité, même les dessins animés, je les aime pas, quoi. Enfin, je les aimais avant, quand j'étais gosse, mais là, je les aime pas, quoi. Je suis pas fan non plus des Astérix en dessin animé. Il y en a un que j'ai trouvé sympa, mais c'est pas le film en lui-même que j'ai trouvé sympa, c'est le doublage, le nouveau doublage d'Astérix que j'ai trouvé sympa. Mais c'est pas le film en lui-même. Le film en lui-même, c'était un truc de gamin, quoi. C'était pas. Astérix et le secret de la potion magique, c'était en vrai, c'était un truc de gamin. Vraiment de gamin, quoi. Par contre, j'ai bien aimé le doublage d'Astérix. Je t'expliquerai. Allez, quittez. Ouais. Bon. Ouais. Ouais. On va... Bah non. Je vais tester, mais bon... Bon, forcément, ce que j'ai récupéré va peut-être m'aider. Ah, est-ce que je peux tirer la est-ce que je peux utiliser la caisse? Ah non, je peux pas l'utiliser à débloquer. Parce qu'elle a attiré. Est-ce que je peux me baisser peut-être? Non, je peux pas me baisser, c'est mort. Je peux pas sauter non plus. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Ça, je peux pas. Non, ouais, non, je peux pas. Ça, j'ai réussi à couper ça, mais. Ça sert à rien si j'ai pas le. Un truc à mettre dedans. Faut que je puisse mettre un truc dedans et. Si j'ai pas l'objet, ça sert strictement à rien. Donc. Déjà, comment je fais pour descendre? Je peux pas descendre comme ça, là. Il y a un truc, là. Là, je sais pas si c'est utile. Faire revenir sur mes pas.
effectivement, c'est pas utile. Ça sert à rien, ça. Attends. Non. Non. C'est ça pour courir ? D'accord, c'est ça pour courir. Faudrait que je m'en souvienne pour la prochaine fois, mais je vais sûrement oublier. Bon. Ah, attends, c'est quoi ça ? Peut-être que je peux le récupérer comme ça. C'est pas un boomerang, mais bon. Non, évidemment, c'était des conneries. Ah, attends. Pourquoi je fais ça, moi? Je vais peut-être vérifier un truc. Attends, je vais... Voilà, changer ça. J'ai pas envie d'appuyer... Peut-être que maintenant... Ici, j'étais coincé. Mais peut-être que je suis plus coincé, peut-être. Peut-être. Oh, putain! Ouais, je suis plus coincé. Putain, va te faire enculer. J'arrête pas de me tromper à chaque fois. Hop. Voilà. J'avais carrément oublié cet endroit. Est-ce que j'en achète? Ouais. Identification compte. Ok. Un Starkos régénère votre énergie d'un cœur. Ouais. Allez. Une boîte de Kabobs régénère toute votre énergie. Une boîte de Kabobs régénère toute votre énergie. Un Starkos régénère votre énergie d'un cœur. On est bon. Ok, on continue. J'avais complètement oublié ce truc, cet endroit. Hé, Jade! Fusible à l'horizon! Juste ce qu'il nous faut pour l'ascenseur. Par contre, je sais pas comment... Ah oui. Ah, clé spéciale pour mademoiselle, sur un plateau. Je sais pas, je peux pas expliquer, je sais pas... Pourtant, franchement, c'est... Non, j'aime bien, c'est stylé, c'est rigolo, j'aime bien les réflexions de Page. J'aurais adoré voir un Page bourré, donc je sais pas pourquoi, ça m'a pas plus marqué que ça, pourquoi le jeu... Je l'ai pas trouvé... sans ça, enfin j'ai, à l'époque j'ai pas apprécié, enfin j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça bien mais sans plus. C'est comme Alan Wake à l'époque j'avais trouvé ça bien mais c'est tout, sans plus. Bon maintenant je trouve ça nul à chier. Là pour le coup ça remonte dans mon... à mon essai, bon sauf au niveau de la caméra là, c'est vraiment un coup de pute, la caméra avec le boss là, foutage de gueule, mais sinon voilà quoi. Tâche de gueule la caméra là. Non, mais on se fout de la gueule du monde.
Ouais. Donne-moi ton signal, Jade. À toi de jouer. Merde. Maintenant. C'est bon. Allez. Bon, c'est fini, qu'est-ce qui... On y va. Il va crever ou pas un jour? Maintenant. Alors ça, toi au moins, tu sais parler au concierge. Bonne prise, Yad. D'accord. Intrusion, intrusion. Procédure de destruction. On y va. Procédure de destruction. C'est ce qu'on va voir. Tornebuck, à toi de jouer. Maintenant. Ton signal, Jade. On y va. Mais qu'est-ce que tu fais? Attaque Jet Boots. Maintenant. On y va. À toi de jouer. Aïe. Hey, pas sur moi, morfle le... Maintenant. Allez. On y va. Attaque Jet Boots. Maintenant. On y va. À toi de jouer. Ça me fait mal au cœur. Taper sur ces petites merveilles de la mécanique. Ah, je croyais qu'il allait dire ces petites merdes. Alors moi, dans le premier, dans le prochain BGE2, enfin dans BGE2, normalement, il y a des gros mots. Hein. Faites pas les cons. Bon après, bon, ça en fera pas un jeu de ouf, hein, mais bon. Dans le BGE là, pour le coup, c'est pour les enfants, vraiment, c'est un jeu pour enfants, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est un jeu pour les petits. Perfecto, c'est scanné. Normalement, le prochain BGE sera un peu plus adulte, normalement. Mais si on dit plus adulte, donc forcément avec un style plus réaliste, je trouve ça dommage. Ça aurait pu être plus adulte, sans avoir, tout en conservant son style cartoon, quoi. Je trouve ça un peu dommage. C'est quoi ce bordel? Je n'ai pas de clé spéciale, Jade. Quoi?
Ah, ça s'est calmé. Ah bah oui, électricité. Mais qu'est-ce que cette personne est... Allez, c'est partout. Ça y est, Paige. J'ai pu mettre un fusible. Il va pouvoir repartir, le vieux dinosaure. Ça a l'air de marcher, Jeanne. Mais j'ai vraiment de la bricole, ce truc-là. Ça ne tiendra pas longtemps. Pas mal, partenaire. Oh, t'emballe pas trop, Jeanne. Si tu veux mon avis, les festivités n'ont pas encore commencé. J'adore. J'adore. Quand les personnages parlent en plein in-game. J'adore ça. Comme dans Horizon, j'adore quand Aloy elle parle. Enfin, j'adore. J'aime bien quand Aloy elle parle. J'adore quand The Last of Us, les personnages parlent entre eux. Même si, bon, Ellie me casse les couilles et Joël, j'en ai rien à foutre. Mais dans The Last of Us Part 2, j'ai adoré ça. Entre Ellie et Dina surtout, c'est ce que j'ai préféré le plus. Les dialogues entre Ellie et Dina, c'est ce que j'ai adoré. Attends, je vais monter là? Ah non, putain! Et je fais comment pour récupérer la bidule là? La perle, je fais comment pour la récupérer? Ça commence à se corser. Au fait, Jeanne, tiens, l'autre jour, il y avait aussi ça qui était arrivé pour toi. Tu jetteras un œil. Hé, hey, t'aurais pu me prévenir. C'est sûrement du boulot. Oui, c'est sûr. Excuse-moi, mais il y a eu tellement de trucs, Jeanne, tu sais. Oh, le doublage. Il est tout pourri. Enfin, le doublage de Jeanne, je veux dire. Les autres, ça va, mais alors, le doublage de Jeanne, il est nul à chier, quoi. Ah, pu me prévenir, c'est sûrement du boulot. Mais putain, mais comment on fait pour récupérer la perle? Ah, je suis dégoûté, je peux plus revenir en arrière. J'ai loupé la perle, c'est terminé. Je suis baisé. Ah, le con. Pousser ça. Bon. C'est quoi ces conneries? Hein? Mais... Attends. Tu me laisses en chien, c'est tout? Ah, d'accord, ouais. Ok. Ok. J'avais pas vu qu'il y en avait deux. Attends. C'est des monstres d'hommes! Les mêmes qui sont venus chez nous! Merde, attends. Attends. Bon travail. Come on.
Allez, photographions. Ah, pas mal, ma petite poule. Sans toi, je crois bien que j'étais cuit comme un jambon. Est-ce que tu as déjà mangé du jambon ? Jade, reste planqué surtout ! On doit d'abord évaluer leur force de frappe ! Ok, à tout de suite. Ok, à tout de suite. À tout de suite. J'imagine pour faire le doublage de Jade. Je sais pas. Il y en a plein. Il y a plein de doubleuses qui font du bon boulot. Hein. Mais elle, elle fait pas du bon boulot, elle. C'est un peu comme le doublage de Tomb Raider, là. De Lara Croft. Elle faisait de la merde aussi. Enfin, la première. Hein. Elle faisait de la daube. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu regardes ? Il y a rien ? Non, je peux pas. Ah ! Une souris blanche. Non ! Putain, mais tu fais chier. Proche 3, elle va se barrer. Putain, laisse tomber, j'y arriverai jamais. Parfait. Je date et j'archive. Ok. Allez, casse-toi maintenant. Ah. Y'a quoi par ici? Aucune réaction. Pas très efficace. Aucune réaction. Egg, j'ai perdu une paire là. J'ai la haine. Aucune réaction. Tu te fous de ma gueule? Je suis censé faire quoi, moi? Quoi ça? Plus de place dans l'album? Qui c'est que ces conneries? Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Il y en a pour quelque chose. Je comprends pas. Bon
bah j'ai plus qu'à faire demi-tour comme un con. Voilà. J'ai besoin de plus de preuves, Shoni. Shoni, il nous faut des photos. 1. Le contenu des caissons noirs. 2. Les sections alpha sans casque. Et on pourra publier le numéro 513 de Iris. Courage. C'était scripté, d'accord. Protégez-vous, Faston Clum ! Bon, il se fait défoncer sa race. Avec ses godasses en dessin animé. Là. Façon de parler. Pourquoi on entend ça de nouveau? Oh! C'est bugué ou quoi? Ça. Ah d'accord, ok. Je suis déjà passé par ici. Pourquoi tu pousses? Ah ouais, c'est moi qui pousse. Ok. Ah bon? Mais non, on n'est pas venu par ici. Je suis trop loin. C'est peut-être que je dois pas du tout passer par ici, je sais pas. Peut-être par ici.
Mademoiselle Osiris! Il y a des gardes dans tout le secteur. Ne vous faites surtout pas repérer. On se retrouve plus loin, à tout à l'heure. Shoni, Double H nous a prévenus pour Paige. Il l'a vu entre les mains des sections Alpha. Ne perds pas espoir, Shoni. Boucle le reportage. C'est comme ça qu'on pourra sauver Paige. En gros, c'est la mission avant tout. Si Paige y canne, on s'en fout. Non. Contrôler la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde. Ah, faut rester appuyé. Elle se colle pas. Elle se colle pas contre les murs. Enfin, je veux dire, elle se colle pas. Enfin. Qu'est-ce que je fous? Pourquoi je vais là? Y'a quoi ici? Y'a rien. Un petit délire à la Metal Gear Solid. Oh, elle est derrière lui, faut le taper, c'est ça? Deg. Je peux pas descendre. Non, je suis obligé de... Bon, non, je suis obligé. Mais c'est pas de l'infiltration si je me fais choper direct. C'est débile. Ah moi faut que je passe par derrière eux. Pas que je les tape. Faut pas les taper en fait. Qu'est-ce qui branle lui? Ok, d'accord. J'ai vu un truc là-bas! J'y vais! Alarme! Alarme! Bon. Demande autorisation au nettoyage sans... On n'en parle plus, hein. Bref, on s'en fout.
Oh putain. Il a l'air d'être tout seul, lui. Est-ce qu'il y a moyen? Quoi? Ça explose pas? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on s'en fout. Allez, hop. Mademoiselle Osiris, je suis coincé par les flammes! Ah, c'est bon, d'accord, j'ai compris. Ok. Appuie sur ce putain de bouton ou... Merci. Mademoiselle Osiris, si vous n'avez pas d'autre choix, faufilez-vous dans le dos des gardes et frappez leurs bonbonnes de respiration. Elles ont un défaut. On se retrouve plus loin. Ah bah c'est trop tard, connard. Pourquoi j'ai fait ça? D'accord. Merde. Merde. Ça vient de là-bas. Trop tard. À toutes les patrouilles. Conservez vos postes et restez en alerte. Interceptez et détruisez.
Hein? C'est quoi ce bordel? Ah, je sais ce que je peux faire. Je suis con, putain, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ah. Ouais, enfin, je dis ça, c'est plus... par ici. Il y a le débarras. D'accord. Identification compte. Ok. Un Starco, une boîte de Kabobs régénère toute votre énergie. Une boîte de Kabobs régénère toute votre énergie. Un Starcos régénère votre énergie d'un cœur. Un Starcos régénère votre énergie d'un cœur. Un Starcos régénère votre énergie d'un cœur. C'est bon. C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Hein? Putain, mais qu'est-ce... Tu m'as baisé, là! Parfait. Je vais pouvoir lancer un backup. Tu m'as baisé. Tu m'as baisé. Tu m'as fait user un Starcos pour rien. Je savais, j'avais pas compris que ça allait faire ça. Non, rends-moi mon Starcos, enculé. Non, 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 non. Putain, j'ai perdu tous mes Starcos, bordel. Oh, putain. Je voulais le récupérer, j'appuie sur le bouton A. Quel abruti, putain. J'ai perdu toutes mes Starcos. C'est quoi ça? Oui. 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 Voilà. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je reviens tout le temps ici? Pourquoi ils me font revenir à chaque fois ici? C'est quoi cette merde? Pff, n'importe quoi.
faites-moi revenir quelque part d'intéressant, me faites pas revenir ici, qu'est-ce que j'en ai à branler, moi. Oh putain, ils sont revenus. Tu me diras heureusement qu'ils sont là, parce que, au moins, ça me donne de la thune. Un peu de thune. Casse-toi. Ok. D'accord. Oh. C'est bizarre. J'y vais. Y'a rien. Non, enculé. J'aurais dû courir. C'est bizarre. J'y vais. Ça vient de là-bas. Hein? Intrusion, intrusion. Ah putain. En fait, j'aurais pas dû courir, j'aurais dû aller derrière le mec et... C'est bizarre. Oh mais je peux le défoncer. Mais je peux le... Oh, je peux le défoncer. Bon. Voilà. C'est quoi ça? Ok. Noté dans mes archives. Est-ce que faut les tabasser? Non, non, j'ai l'impression. Les chaussures de Paige. Oh là. Où est-ce qu'ils t'ont emmené? C'est bon, c'est numérisé. Merde, qu'est-ce que tu fous? Ah, je vois plus rien. C'est quand tu veux. Ouais, ça commence à m'emmerder là.
Il faut une clé spéciale. Non, non, non. C'est... Comment il a fait pour voir, pour la voir? Comment je fais? Comment il a fait? J'ai compris ce qu'il faut que je fasse, mais bon. Ah vas-y, tu l'as. On y retourne. Voilà, y'a rien, ferme ta gueule. Pas bien visé, je crois. Chier. Ah bah si, elle peut se coller au truc. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça sert à rien. On recommence. Je vais essayer de bien viser cette fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il l'a vu? Trompé de bouton, hein. Putain, je me suis encore trompé de bouton. Allez. Je comprends pas. Mais encore buggé cet abruti. Ah bon. Alors je voulais juste qu'elle meure, mais. C'est passé. Zone nettoyée. Peut-être que ça marche pas. Hein.
vole vers d'autres cieux, connard. Quelque chose là-bas ! J'y vais ! Alarme ! Alarme ! Ça va être chaud, alors. Attends, si je fais ça... Ouais, d'accord. Mais putain, tu fais quoi, là? Non, laisse tomber. Rien, ce que je viens de faire, c'est de la merde. Il est où l'autre? Laisse-toi. On s'en fout. Putain, ça commence à me casser les couilles. Ah, mais il est juste en face, ce connard. Je fais quoi, moi? Ah, d'accord. D'accord. D'accord, j'ai compris. Heureusement que ça sauvegarde à chaque fois qu'on passe une pièce. Hein. Parce que sinon... J'aurais pas remarqué mes erreurs. En fait, voilà, faut passer au même moment que la caisse. Et voilà. Je dois faire quoi? Putain, je dois faire quoi là? Ah si, peut-être. Voilà. On s'en fout. C'était évident. Attends. C'est quoi ça? Jade, tu as hérité du courage et de la générosité de tes parents. Tu sais, je pense souvent à eux. C'étaient des amis très proches.
Il y a 20 ans, nous avons été contraints de nous séparer parce que nous avions tous de gros problèmes avec les autorités. Tes parents t'ont confié à moi pour te sauver la vie. Nous avons débarqué sur Elis. À l'époque, c'était une planète pacifique. J'espérais pouvoir t'y élever à l'abri. Mais le conflit s'est généralisé. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose. Si j'ai pu venir ici avec toi, c'est grâce au Beluga, le vaisseau spatial que nous avions conçu, ton père et moi. Il existe encore, mais j'ai pas tout à fait fini de le remettre d'aplomb. Tu trouveras le check-up sur mon bureau. Le Beluga est chez nous. Il faut rentrer un code dans chacune des deux consoles pour ouvrir la planque. Je peux pas t'en dire plus sur ce M-disque, mais j'espère qu'il te sera utile si un jour tu dois te servir du Beluga. Quoi qu'il arrive, bonne chance à toi, Jade. Oncle Page. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Que j'avais pas vu? Je sais plus. Merde. Ça j'ai fait. Pour Jade. Caméra de surveillance, je sais pas. Je sais que j'ai récupéré un CD. Portez-le ! Esclavagiste ! Tu l'as déshabillé pour le conditionnement ? Assassin ! Tortionnaire ! Affirmatif. Combinaison et chaussures, tout est dans l'armoire. D'accord. Alors, caméra de surveillance, Iris 500. Ok, c'est parti. Voilà.
Voilà. Mademoiselle Osiris. Vous avez vu les sections Alpha? Regardez leurs têtes, ils ne sont plus humains. Ils sont contrôlés par les Doms. Il faut absolument que tout le monde sache ça. Envoyez vite une photo au réseau Iris. Je continue à chercher une issue. No problemo. Bravo, Shoni. On publie. Je transmets aussi au gouverneur. Elle t'enverra le code de la salle d'embarquement. Je crois qu'on le tient. Et c'est celui-là. On va bien finir par se retrouver. Un abominable trafic d'êtres humains dans la fabrique de Nutril. L'épreuve dans le numéro 513 de Iris. C'est quoi ça? D'accord, c'est déjà fait. J'ai rien à foutre ici, moi. Censé faire quoi, moi? Est-ce que je suis debout, ça... Ils vont repérer la meuf ou pas? Non. Je suis censé aller où? Je suis censé faire quoi? Je dois les tabasser, c'est pas possible, hein. Je peux pas grimper. Quelque chose. Alarme! Alarme! Voilà, ils se sont calmés. D'accord. Je vois pas ce que je peux faire là. Je pensais que je pouvais grimper là, mais en direct non.
merde. Non, je peux pas. J'ai vu un... Intrusion ! Intrusion ! Ok. C'est ridicule, mais bon. Je comprends pas, je sais pas ce que je dois faire. Pour passer sans me faire repérer. Qu'est-ce que je dois faire ? Les tabasser, qu'est-ce que c'est quoi ces conneries? Je comprends rien là. En fait, faut juste que je passe, j'ai l'impression. Ah, moi, il regarde les deux trucs, il faut juste que je passe. C'est chaud. Ils vont regarder les deux trucs. Ils vont regarder là. Ensuite, ils vont regarder par là, de ce côté-là. Ouais, voilà, d'accord, ok. Ok, bon. Moi, je pensais qu'il tournait directement, mais en fait, non, il tourne pas. En fait, il regarde. Ah, putain de ta mère, la pute. Bon, ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Oh bah ouais, voilà, la zone est détruite. Bah c'est bien. J'ai pas... Je suis pas resté sur... Putain, ouais, laisse tomber. Je pensais que c'était la dernière et en fait non. Non, il y en a, encore un enculé là. J'étais persuadé que c'était la dernière. Heureusement qu'ils sont très cons. Donc, aussi cons que moi. Voilà. Voilà. Et qu'ils sont très fragiles aussi. Ils sont très cons et très fragiles. Voilà. Bon, il y en a encore d'autres où c'est terminé ces conneries là. Parce que c'est chiant. Bon, après tu me diras, ça va, ça sauvegarde toutes les... C'est fini ou pas? Non, c'est pas fini. Ok, super. Et il y en a deux cette fois-ci. Ah, c'est pas la, c'est pas de l'infiltration de d'Assassin's Creed, hein. Ça c'est sûr. Ça sent que c'est un, on sent que c'est un vieux jeu, hein. Non, parce que l'infiltration d'Assassin's Creed, bah, c'est quand même bien mieux que ça, quoi. On sent qu'ils ont levelé niveau infiltration et niveau intelligence artificielle. Ils ont largement levé les... De toute façon, c'est pas compliqué. Ubisoft, ce sont ceux qui font les meilleures intelligences artificielles. Faut... Sortez-moi une meilleure intelligence artificielle que les mecs d'Ubisoft. Parce qu'on parle pas de difficulté, hein. C'est facile de foutre de la difficulté dans un jeu. Mais de l'intelligence artificielle, de la bonne intelligence artificielle, c'est plus compliqué. Ça, pour faire de la difficulté dans des vieux jeux Elden Ring de mes couilles, là... Ah, ça, mais l'intelligence artificielle, c'est zéro, hein. Alors que, voilà... C'est les meilleures affaires de l'intelligence artificielle, les meilleures IA, c'est dans les jeux Ubisoft. C'est peut-être pas les plus parfaits, mais il n'y a pas mieux que chez Ubisoft niveau IA, hein, donc... Il va falloir arrêter de se foutre de la gueule d'Ubisoft en mode « Ah, l'IA, elle est nulle !» Ouais, peut-être, elle est nulle, mais elle est quand même mieux que... C'est la meilleure des IA, en tout cas. Il n'y a pas mieux. Sors-moi un jeu qui fait une meilleure IA, espèce d'enculé de tarasse. Trou du cul. C'est facile de dire, ouais, l'IA, elle est pourrie, l'IA, elle est pourrable. Enfin, voilà, quoi. Putain. Je me fais repérer, bordel. Il va la voir. Non, tant mieux. Allez, tombe-toi, sa mère. Merci. Cette fois, il est vraiment naze. Va te faire enculer.
Bon, espérons qu'il se tourne pas. C'est clair que ça a pu être comme ça. Hein. Ah, quel con. Allez, 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 allez. Ouais, ça regarde par ici. Putain de ta mère là. Non, n'y va pas, s'il te plaît. N'y va pas, n'y va pas. Ok, n'y va pas, sois con. Merci. Nom de Dieu! C'est long, c'est chiant, ça m'emmerde. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ok. Allez, allez. Ouais, ouais, parfait, parfait, ta gueule. Maintenant, je dois retourner là-bas. L'autre connard va forcément me voir, parce que le temps que je... Si je marche... Attends, on va regarder. Ah putain, le mec il se tourne au bout de 2 secondes. Ah... Oh sa mère. C'est bon. Bon, c'est fini là, franchement j'en ai marre. Hein. J'en ai marre de ces conneries. Tu m'étonnes que j'en ai marre le cul du jeu. Bon, c'est fini, il y a encore des gardes qui font chier là. Où est-ce que je suis là? Ah! Non, je vois pas où je suis en fait. Je pourrais garder la carte, mais j'ai la flemme. Je sais pas où je vais. Ah oui, la cuve Nutril, ouais. Non, je vois pas. Ouais, bon, laisse tomber. On se casse. Je veux pas me friter contre lui, ça sert à rien. Il faut... On ouvre la porte. Laisse tomber. C'est juste un passage. Qui mène à une sauvegarde, qui mène à un temps de chargement. Ok. Ah, je les vois encore. Est-ce qu'il va se tourner? Est-ce qu'il va... Qu'est-ce qui va branler? C'est long et c'est chiant. J'en ai marre. Vas-y, envole-toi. Y'a pas un truc là? Tiens, regarde. C'est déjà fait. Ok, super. Tant mieux. Ok, bien reçu. On vient de vous envoyer un email. Il ne devrait pas tarder. Bonne chance. J'ai pas d'email. C'est par ici que je devais passer? Il est où l'email?
Je me souviens plus du code. C'est quoi le code? Je sais plus c'est quoi le code. C'est quoi le code? En fait, je sais. Comment on fait pour voir les emails? Comment on fait pour voir les emails? D'accord, faut que je retourne au tout début pour récupérer la perle. Faut retourner au tout début. Je crois. Comment je fais pour voir mes emails? Où sont passés ces putains d'emails? Ah, merde, il y a un animal que j'ai loupé. Ah, je retourne pas, hein. Rien à foutre. Je crois pas. Ah, attends. C'est quoi ça? Attends. Non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Merde. Comment je fais? Effectivement, envoyer un email. Ils m'ont effectivement envoyé un email, mais je sais pas c'était quoi. Je sais pas c'était quoi le code. Comment je fais pour revoir mes emails? Voir si je peux. Il est peut-être dans le CD. Ah voilà. Peut-être moyen que je regarde. Je sais pas moi mes CD. C'est quoi ça? Iris 512. Ilis sous les météores d'Homs. Reportage double H. Les canaux, le garage Mamago et le refuge du phare ont subi hier une Iris 512. Les canaux, les protections. Oula. Comment je fais pour revoir mes emails, bordel? Iris 511. Une nouvelle vague d'enlèvement dans le quartier piéton. Reportage double H. Les DOMS ont encore durement frappé la population ilienne.
Encore 850 personnes portées disparues depuis une semaine. La soi-disant protection des sections Alpha contre les attaques d'Homs semble bien dérisoire. Je sais pas comment faire pour remater mes emails. Je sais pas comment faire. Comment faire pour remater mes emails? Il y a un truc qui cloche. Comment je fais pour remater mes emails? Ils m'ont envoyé un email, mais je sais pas comment faire pour le remater. Je suis coincé. Je sais pas c'est quoi le code. Alors ça c'est juste pour faire pause. C'est tout, hein. Appareil photo, objet combat. Sac. On va voir. D'accord. C'est ça pour consulter ses emails. Enfin. C'est pas trop tôt. Voilà. Ok, bon bah j'avais oublié que c'était fallait plus sur ce bouton là pour consulter ses emails. En plus je suis tombé sur ce truc là. Et oui. D'accord. Elle. Et ça, ça fait quoi? On s'en fout. Ah d'accord, plus d'infos. Ouvrir. Qu'est-ce que ça? D'accord. Chargement. Paramètres. Caméra V et véhicule. Une partie, charge partie, menu de démarrage. Putain, je l'avais carrément oublié. Ok. En fait, je ne savais pas, tout simplement. Je savais pas que c'est le bouton du bas pour... Je ne savais pas. Voilà. Pour consulter son sac. Ah bah d'accord. Je suis pas
pense qu'il va y avoir un boss. C'est fini là. La caméra là. What? D'accord, ok. J'ai des trucs à photographier ou pas là? Non. Je dois photographier ce qu'il y a à l'intérieur de ces caisses. Oh. Et comment faire pour accéder à ce nouveau cœur? Ça c'est pas rien ça. Là, je vois pas ce qui pourrait m'aider. Hein. Y'a pas une caisse, un truc comme ça. Peut-être qu'il faut déclencher une cinématique. Ah. D'accord, bon. Elle fait genre, elle peut s'accrocher, mais en fait, elle peut pas s'accrocher. What? À toutes les patrouilles, activez l'embarquement. Le cochon est bien réceptionné. Il devrait arriver. Excellence? L'incident est clos, Excellence. Mes troupes d'élite ont localisé et neutralisé tous les autres. Ne vous inquiétez pas, Excellence. Je vais régler ce détail moi-même. Thank you.
Ouais, ouais, ouais. Carson et Peter ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tenez bon, mademoiselle Osiris, on travaille en binôme ! Bien reçu ! Oh, wow, 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 wow. Merde. Okay. Bon, allez. Oh, viens, viens. En fait, c'est les pères qui foutent la merde. Paige. Ils ont embarqué Paige. Sans votre aide, c'est moi qui serais parti. En train de voyager dans un de leurs cercueils de luxe. Avec un billet, elle est simple. Je te retrouverai, Paige. Tiens bon. Je vais te chercher. Où tu vas, meuf ? Récupérer ça là. Bon. On peut ressortir par là, mademoiselle Jade. Ah bah voilà. Un nouveau cœur. Bravo, Jade. C'est quoi ça? Oui, la caméra. On est sur le bon chemin, la sortie n'est pas loin. Hé, hey, tu reconnais l'endroit ? Affirmatif. M'ont volé la moitié de mes souvenirs derrière cette porte dans leur machine de malheur. Bon. Bon. Il faut sauter, mademoiselle Jade. Ok. C'est par là, mademoiselle Jade. Il commence à me casser les couilles avec ses... Ah, d'accord. Avec ces mademoiselles.
Mademoiselle Jade, il y a une perle abandonnée en contrebas. Bah oui, mais je fais comment, moi? Gentil de me dire qu'il y a une perle. Je bouge pas de là. Je couvre vos arrières, Moiselle Jade. Attends. Oh, qu'est-ce que tu fais? Perle en contrebas, perle en contrebas, laisse tomber. On est bientôt à l'air libre. Paige est membre du réseau Iris? Peut-être. Je sais pas. Je sais juste ce qu'il était pour moi. Au fait, t'as retrouvé la mémoire, toi, on dirait? Tu refais surface? J'essaye, mais j'ai un mal de crâne terrible. C'est leur machine qui m'a complètement lessivé. Vous êtes venu en Overcraft? Vous avez réussi à passer le gardien? Wow, 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 wow. Coincé! Ok, c'est bon. Et voilà. C'est quoi ce bordel? Je fais comment pour sortir de là, moi? J'ai oublié quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Cool, j'ai récupéré la perle, mais maintenant je... Attends, qu'est-ce que j'ai fait?
Bah oui, mais... Pourquoi il y a un point d'exclamation? Retrouver l'Overcraft pour quitter la fabrique. Bah, je veux bien, mais je fais comment, bordel? Ah, c'était juste pour récupérer le truc? Peut-être qu'il faut appuyer sur un bouton, faut tirer sur la porte, je sais pas, ça me paraît bizarre. Parce que là, je peux rien faire, là. Il y a peut-être un... Attends. Merde, non, c'est parce que... Oh, fait chier. Peut-être qu'il faut appuyer... J'appuie sur un bouton que j'ai... Pour ouvrir la porte, je sais pas. Le mécanisme est juste là-bas. Je dois pouvoir dégager le passage. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord. Ok. Attends. Merde. Assistance au binôme! Ouais, normalement, ça devrait aller. Que tu fais la caméra là? Le mécanisme est juste là-bas. Je dois pouvoir dégager le passage. Oh! Respectez le binôme! Chapitre 12! Merde. Attends. Ah, il l'a buté. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. On va réessayer. En fait, je crois qu'il y a une bestiole que j'ai peut-être pas pas photographiée. Je vérifie parce qu'il y en a, elle, voilà. Je vérifie, peut-être que pas celle-là, l'autre là, celle-là. Je crois là. Merde. Non, photographier celle-là, ok. Et va te faire. Ah putain, j'arrive pas à... Allez. Voilà. Vorax. On en voit de plus en plus. Je l'avais pas photographié. C'est pour ça que je me suis laissé tuer. Ok, maintenant on va tous les massacrer. Le mécanisme est juste là-bas. Je dois pouvoir dégager le passage. Et voilà. Le mécanisme est juste là-bas. Je dois pouvoir dégager le passage. Ok. Il va falloir trouver un fusible dans le secteur. Identification compte. Ok. Une boîte de K-Bops régénère toute votre énergie. Une capsule de boost triple temporairement la vitesse max de votre véhicule. Une capsule de boost triple temporairement la vitesse max de votre véhicule. Ok. Ça marche. Mademoiselle Jade, ce truc me ronge de l'intérieur. Je ne pourrais pas résister longtemps. Les gars d'Iris, ils pourront peut-être faire quelque chose pour moi. C'est ma seule chance. Guidez-moi jusqu'à Iris.
Je vous en supplie, mademoiselle Jade. Je n'arrive plus à respirer. Il faut faire vite. Je me branche sur mon circuit auxiliaire. Mais il ne durera pas longtemps. Menez-moi à Iris. Vite. Ah, j'y vois plus rien. Où êtes-vous, mademoiselle Jade? C'est quand tu veux. Si on fait pas ça le plus tôt possible, il va violer Jade, hein. Il va lui faire des choses sales. Dans l'aéronef ou l'aéro, je sais pas quoi. Il va lui faire des trucs de dégueulasse. Tiens bon, ça va chahuter un peu. Merde. Merde, putain. Oh. Ah, sa mère. On est limité dans le temps et en plus... Tu m'entends? Ça va pas fort. Je sens cette saleté qui progresse. Léo! On en est à combien là? Amelia, Iris est en danger. Ah, j'y vois plus rien. Où êtes-vous, mademoiselle Jade? Mais un mal plus sournois s'est infiltré au cœur même de notre planète. Les traîtres du réseau Iris veulent nous anéantir. Il y a de vous, Iris est en danger. Ah, j'y vois plus rien. Où êtes-vous, mademoiselle Jade? Par ici, vite, c'est ouvert. Bon, c'est bon, on est d'accord, on est bon là. Nino, May, vite, Double H est avec moi, il a besoin d'aide. Double H au rapport. Les sections Alpha ont pris possession de... chaussures. À vos ordres. Hub. May, faut lui donner notre dernière dose d'antidote. Hub, tu m'entends? Réponds-moi. Son pouls descend à toute vitesse. Dis-moi quelque prépare chose, l'injection. Dis-moi, mais... Au flanc. May, grouille, il est en train de partir. Je suis là, Hub. Ça va aller. Tiens bon, ça va aller. Grâce à toi, Jade, Hub est sauvé. Oui, je... C'est un costaud, il s'en remettra. Dans deux bonnes semaines, il sera sur pied. Mes amis, je crois que Jade vient de nous offrir une formidable démonstration de courage. Bravo, je l'ai tenu. Bien, viens voir maintenant. C'est là que sont acheminées les victimes. Là qu'ils ont emmené ton oncle, Jade. Les anciens abattoirs. Ton prochain reportage. Jade, je voulais te dire que ton reportage à la fabrique a eu beaucoup d'impact sur la population.
Les Iliens nous ont spontanément témoigné leur soutien. Ah. C'est pour toi. Ça te sera utile pour la suite. Ah ouais, ils m'ont donné beaucoup de perles. Ok, intéressant. Que je m'arrête. Voilà.